Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre des Psaumes au chapitre 16. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole de Dieu. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas à leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Amen. Louez Dieu du haut des cieux, alléluia. Louez-le sur toute la terre, alléluia. Louez-le, vous tous ses anges, alléluia. Louez-le, vous tous son peuple, alléluia. Pour ce immense bonheur. Encore aujourd'hui, pour cette grâce que nous avons de pouvoir nous tenir encore dans ces lieux, Père. De pouvoir nous écrire aussi, comme David, ton serviteur, pouvait le dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Dans ces lieux, nous nous sentons tellement si bien, mon Sauveur. Nous nous sentons fortifiés, mon bien-aimé Père Saint. Nous nous sentons consolés, mon Roi. Nous te remercions de nous l'avoir donné, Père. Nous te remercions pour tous les frères, les sœurs que tu nous as donnés, Seigneur. Car c'est vraiment une très grande consolation. Alors nous comprenons effectivement ce que la parole de Dieu dit, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble, mon Sauveur. Oh, tu es vraiment Dieu. Tu aimes la communion, tu aimes l'unité, Seigneur. C'est à cela que nous aspirons, mon bien-aimé, Seigneur, afin que tous ensemble nous puissions être un, comme tu l'as dit dans ta parole. Nous voyons ta main tellement elle est puissante, mon Seigneur. Et ce que tu as déclaré, ce que tu as prié, Seigneur, cela nous pouvons le voir et cela doit s'accomplir. Parce que toi, tu es le Dieu, quand tu dis une chose, la chose arrive. Et quand tu ordonnes, elle doit exister. Nous sommes tes sujets, mon bien-aimé Père Saint, soumis à toi et te disant davantage de pouvoir vivre pour toi, mon bien-aimé Seigneur. Rien ne pourra effacer, rien ne pourra enlever l'amour que nous avons dans notre cœur, Père Saint, pour toi. Parce que ce que tu as fait pour nous est gravé en nos pères. Nous te remercions pour cela, Père. Oh, que tu sois donc élevé, mon bien-aimé Père Saint. Que tu sois vraiment adoré encore davantage, mon Roi. Nos cœurs te désirent, mon Sauveur. Comme une biche soupire après les courants d'eau.
Ainsi notre âme soupire après toi, ô notre Dieu. Notre âme a vraiment soif de toi, du Dieu vivant, Seigneur. Nous voulons vivre dans cette parole de vie, mon bénémoine, pâtissant dans la sainteté, bénémoine, pâtissant, Dieu, comme toi tu l'es, Seigneur. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, souviens-toi des efforts fournis, mon bénémoine, pâtissant, des enfants que nous avons, qui aussi, ce soir, ils sont encore là, mon bénémoine, pâtissant, nos frères, nos soeurs, Seigneur. Ô Dieu, malgré les difficultés de la journée pour le travail, Seigneur, ils sont dans ta maison à toi. Ô Dieu du ciel, tu es un Dieu qui se souvient, mon sauveur. Tu as dit, je me souviens, Seigneur, béni sois-tu encore aujourd'hui. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom pour les cantiques qui ont été chantés, mon bénémoine Père Saint. Souviens-toi de notre précieux frère que tu as utilisé encore ce soir. Merci pour le psaume, merci réellement, Père Tubissant, pour l'allégresse encore de pouvoir réellement chanter le chant des Sion avec un cœur plein de joie. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Il est bon de louer notre Dieu. Il est vraiment bon de pouvoir le célébrer. Nous nous réjouissons de sa bonté à notre endroit et son soutien aussi. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes, comme David pouvait le dire aussi, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous nous réjouissons toujours de ce que le Seigneur, notre Dieu, ne cesse de pouvoir faire pour nous. C'est aussi une grâce pour nous de pouvoir savoir que nous avons le privilège de marcher avec un Dieu qui ne change point. C'est un privilège de pouvoir savoir que nous sommes aussi appelés de son nom et que nous sommes aussi façonnés au jour le jour et de plus en plus que nous avançons effectivement façonnés à son image. C'est vrai, comme le Seigneur le dit dans sa parole, il y a un but qu'il poursuit et c'est à cela que nous aussi nous devons être aussi conscients. Ce que le Seigneur ne veut pas que nous ressemblions à quelqu'un d'une certaine manière et que nous puissions imiter quelqu'un. C'est pour ça que l'apôtre Paul insiste en disant « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis aussi de Christ ». Et ce qu'il veut, c'est que réellement que nous soyons façonnés à son image. Et cela a toujours été la volonté de notre Seigneur. Depuis les débuts, effectivement, quand nous considérons les Saintes Écritures, c'est pas là que nous pouvons voir effectivement aussi le but que Dieu poursuit et qui, sous les yeux de beaucoup, comme des autres, ça passe inaperçu parce que la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il faut réellement que l'homme soit réellement comme Dieu a voulu qu'il soit. C'est pour ça que lorsque nous aimons Dieu, vous savez que quand Philippe lui a dit « Montre-nous le Père et cela nous suffit », il lui dit ceci « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as jamais connu. Mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. » Et dans les livres de Colossiens, au chapitre 1, on nous parle de lui, en fait. On nous dit, regardez comment on nous parle de lui, Colossiens, au chapitre 1, je pense que c'est cela, et à partir du verset 15, je pense que c'est cela. Colossiens, chapitre 1, et voilà. Colossiens, chapitre 1, et le verset 15, c'est merveilleux. Il nous dit ceci, lui, le Fils, hein, il est donc le Fils, il est donc l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, si nous voulons voir Dieu, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et vous remarquerez très bien, mon frère et ma soeur, comme on nous dit dans les Saintes Écritures, que lui, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc vous comprenez ce que cela veut dire? Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on parle de cette création, vous devez comprendre effectivement de quelle création il s'agit. Effectivement, l'homme qui est venu sur la terre est venu par le moyen par lequel vous et moi nous connaissons. Est-ce que vous comprenez? La chute est suivie. Vous connaissez? Donc vous comprenez cela effectivement. Comme cela. Donc ça dit que par... Et puis la chute est venue par la suite, effectivement. Et chaque être humain que nous sommes sur la terre, nous savons comment nous sommes venus. Vous vous souvenez? Mais lorsque Dieu a voulu lui-même s'exprimer, parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux que à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu, notre Seigneur, a parlé à nos pères, mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le exactement. C'est-à-dire que Dieu a voulu lui-même aussi s'exprimer.
C'est pour ça qu'on nous a dit que la parole a été faite chair. Et de quelle manière, effectivement, si Dieu a eu à pouvoir être vu dans cette forme-là, comme l'ange avait eu à pouvoir dire à Joseph, effectivement, ne crains point de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Et comment cela s'est passé? Parce que l'ange Gabriel est allé vers Marie. N'est-ce pas? Et Marie a parlé, alors l'ange a parlé à Marie, effectivement, de ce qu'il en était. Vous connaissez la réaction de Marie. Elle dit, je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Parce que pour que je puisse avoir un homme, effectivement, il faut un homme. C'est ainsi que l'ange Gabriel dit, mais tu connais ta cousine, donc ta parente, Élisabeth, la vieille, elle est dans son sixième. Alors elle a compris que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Il dit que cela me soit fait selon ta parole. C'est comme cela que dans le sein de Marie s'est formé donc. Sans l'intervention d'un homme, juste par la parole, juste par la foi de la parole, c'est ça en fait. Et il s'agit de cette création-là, le premier-né, en fait, comme il dit effectivement, de cette création en fait qui vient par la parole de Dieu. Et c'est nous aussi qui nous en sommes bénéficiaires. Nous, il nous a engendrés par sa parole. Donc de la même manière qu'effectivement que Christ notre Seigneur est venu dans ce monde. Est-ce que vous suivez? Amen. Ok. Donc de cette manière-là qu'il est venu parce que on nous a dit qu'il est l'image. Est-ce que vous suivez vraiment? Amen. Il est qui? L'image du Dieu invisible. Est-ce que vous comprenez? C'est merveilleux parce que quand nous lisons les saintes écritures, nous voyons que la Bible nous montre des choses tout à fait extraordinaires, exceptionnelles. Elle nous dit que en celui dont on nous a dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Vous comprenez cela? Parce que c'est ce que Dieu voulait. Et on nous dit que en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, Dieu nous a élus en lui. C'est-à-dire que nous n'étions pas papillonnés, mais nous étions en lui. Lui qui est l'image du Dieu invisible, qui est l'expression des dieux, effectivement, sur la terre et dans le monde, en fait. Parce que vous avez vu que lorsque les mages sont venus pour pouvoir le voir, effectivement, ils ont apporté des choses pour pouvoir vivre. Ils sont venus pour l'adorer. Donc, on ne peut pas adorer un homme. C'est dit qu'on adore, c'est simplement Dieu. Il dit, le roi des Juifs, nous avons vu son étoile. Que Dieu te bénisse, mon Dieu. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus. Hein. Alors, vous comprenez effectivement que tous ces hommes qui étaient donc spirituels, ils comprenaient effectivement les choses et ils tremblaient parce que, voyez, les soi-disant croyants, ceux-là qui n'étaient pas vraiment dans ce Dieu, ils comprenaient rien du tout. Mais ceux qui étaient vraiment spirituels, lorsqu'ils étaient ensemble, ils tremblaient en fait. C'est comme cela que Siméon, quand il a tenu là cet homme, il dit, mais maintenant je peux partir en paix. L'homme qui aspire à la mort, oh, chacun de nous fuit la mort. Il dit, mais non, maintenant ton serviteur peut s'en aller en paix parce que mes yeux ont vu ton salut. L'homme était tellement dans une paix profonde en disant, oh, maintenant la tombe n'a plus de pouvoir, même si je dors aujourd'hui. J'aime Dieu, mon frère. Comme vous savez, tous ces hommes qui ont placé leur confiance en lui, mon frère. Et ce n'est pas historique, en fait, c'est une réalité. Nous retournons à regarder très bien ceci et cela. Donc, en lui, Dieu nous a élus. Hein. Et cela, c'est pas maintenant, ni hier, effectivement, ou quand nous sommes approchés de l'église, non, pas du tout, mais cela, avant la fondation du monde. Parce que dans le livre d'Apocalypse aussi, il nous est dit, tous ceux dont le nom ont été écrits. Est-ce que vous comprenez, frère, ça? Tous ceux dont le nom ont été écrits dans les livres de vie de l'agneau. Vous devez me poser la question, c'est-à-dire, mais pourquoi est-ce que, quand même, dans une génération comme ceci, nous sentons toujours les désirs d'aimer les seigneurs, de pouvoir les servir? C'est pas parce que vous les voulez, c'est parce que Dieu a fait. Et c'est pour ça que Dieu soit béni, frère et sœur. C'est pour ça que Satan peut faire tout ce qu'il fait. Il ne pourra jamais réussir. Non, frères et sœurs, nous, c'est tellement si merveilleux. Nous ne pouvons plus avoir peur de quoi que ce soit. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Et puis, Dieu dit, mais toute arme forgée contre toi sera donc sans effet. Lisez les saintes écritures pour que vous compreniez pourquoi il est bon d'être dans la maison du Seigneur, d'avoir la communion, pas être là en train de dormir, non, se réjouir.
Parce que c'est là que le Seigneur nous parle. Frères et sœurs, qu'est-ce que je ferai dehors aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais avoir dehors? Je préférerais être dans un endroit comme ceci, où j'apprends ce que mon Dieu à moi a eu à pouvoir planifier, qui montre que je peux marcher comme un grand conquérant sur la terre. Mais c'est vrai, peu importe, la maladie peut me frapper, mais ne pourra pas arriver à me détruire, mon frère. Non. Vous savez, notre frère Job pouvait dire que même si ma chair était détruite, elle doit retourner à la poussière. Mais mes yeux à moi, bien sûr. Ah, cette foi et cette espérance-là gravée au plus profond, il n'y a personne qui peut le déraciner. Les épreuves, les difficultés n'ont pas amené Job dans le bas du désespoir pour dire qu'en tout cas, je ne crois pas que Dieu existe. Non. Plus ça venait, il dit, mais Dieu a donné, Dieu a repris, mais que son Saint-Nom soit béni. Oh, mon frère, un fils de Dieu, tu ne peux pas l'abattre. Hein? C'est vrai, les épreuves peuvent venir, effectivement. Il va pleurer comme tout être humain, effectivement, mais après, il se relève. Il dit, mais comment est-ce possible? Mais parce que ce qui est en lui, mon frère, vous ne pouvez pas le retirer. Il est né pour ça. Et il est là-dedans. Oui, frère, c'est gravé en lui. On ne peut pas le retirer. Parce qu'avant que le monde soit monde, nous étions en lui. Comment voulez-vous que nous puissions le renier, mon frère? Comment voulez-vous que je puisse moi me lasser de la parole de Dieu, des choses de Dieu? Ce n'est pas possible. C'est cela qui fait le bonheur de ma vie, effectivement aussi, qui fait que je sois ce que je suis. Il a dit avec raison que sans moi, ah, que son nom soit béni. Sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est pour ça qu'avec lui, nous pouvons faire des exploits. Il a toujours eu à pouvoir nous dire, effectivement, que vous aurez des tribulations, mais ne craignez point. Car moi aussi, si moi ici, je vaincu le monde. Prenez courage. Et c'est à cela que le Seigneur nous a donc destinés. Ainsi donc, alors, nous ramenons donc, mais oui, certainement, il est donc l'image du Dieu invisible. Mais en lui, Dieu nous a donc, c'est écrit dans Éphésiens, hein, c'est peut-être du site, parce qu'on peut peut-être lire, effectivement, aussi Éphésiens au chapitre 1. Il nous dit une chose ici, merveilleuse, il dit, oh, voilà bien, oh là là. Et puis, on s'en fout. Nous sommes heureux. Et regardez très bien. Il nous dit ici, est-ce que vous suivez? Il dit, verset 1 dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Donc, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez bien, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en... Vous comprenez, frère? Il dit qu'en rapport avec les bénédictions, Dieu ne s'est pas privé de pouvoir nous le donner. Donc, effectivement, nous devons savoir que Dieu nous a appelés pour hériter cela. C'est pour nous. C'est pour ça que quand on est un enfant de Dieu, on s'accroche tellement à Dieu. C'est pas parce que on veut être béni, mais en fait, on est toujours des fils de bénédiction. Amen. Ça, c'est une chose que tu dois savoir. C'est pour ça que tu n'as pas été appelé à hériter la malédiction. Non, même les gens peuvent te maudire. Cette malédiction ne pourra jamais avoir d'effet sur vous. Ce que vous entendez, ce n'est pas une histoire à part cet écrit. Toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. C'est pour ça qu'il a toujours eu à pouvoir dire, mais ne vous inquiétez de rien. Tout ce qui est béni de Dieu est béni. Amen. Et la bénédiction de Dieu ne s'accompagne pas des remords, ainsi de suite. Parce que Dieu prend soin. C'est pour ça que même quand nous nous trouvons dans des moments où nous sommes en fait démunis d'une certaine manière ou d'une autre, ne vous attristez pas. Amen. Sachez que c'est un moment qui passe. C'est aussi un moment aussi où Dieu veut aussi. Vous savez, quand nous sommes dans une période de douleur, de difficulté, qu'est-ce que nous faisons de plus? Nous cherchons la face de Dieu. C'est pour ça que les apôtres nous ont dit qu'ils ont goûté, ils ont dit, mais les épreuves. Ils ont pu dire, mais l'argent est plus précieux pour nous. Non, ils ont dit, non, les épreuves sont plus précieuses pour nous que l'or périssable. Est-ce que vous comprenez? Ah, mais c'est une folie pour un être humain normal. C'est pour dire que, en tout cas, un homme comme Job qui a perdu 10 enfants, tous ses pantalons, tous ses biens, toutes ses maisons, tout ce qu'il a effectivement, en une journée comme ça, il a tout perdu effectivement, vous dites que c'est pour son bien. Non, c'est pas possible. Or, c'était pour son bien. C'est la vérité, non?
Parce que, c'est vrai que Job, vous savez cela, non? Il aimait Dieu, il connaissait Dieu, mais en fait, il avait des questions dont il n'avait pas de réponse pour arriver à pouvoir être vraiment affermi en lui. Parce qu'il disait, mais l'arbre, quand il meurt, il a de l'espérance. Mais l'homme, c'est écrit. Mais l'homme, quand il meurt, il s'en va, il n'a plus de souvenir. Mais Dieu a dit, viens. Par la souffrance, je vais t'instruire. C'est pour ça qu'il a amené dans la souffrance. Et puis l'homme se lève et dit, mais... Alléluia! Mon frère et ma soeur, l'homme naturel ne comprend pas. Mais toi, spirituel, tu dois comprendre. Donc, Job est devenu plus riche. Parce que spirituellement, il a reçu la révélation. Et puis, naturellement, on lui a redonné au double. Même ses enfants. À cause de sa fidélité, la foi. Donc, les épreuves l'ont encore montré encore la grandeur de ces dieux en qui. C'est pour ça, ne murmure pas pendant l'épreuve, mon frère. Être dur et tout ça, mais ne maudit pas Dieu. Mais au travers des épreuves, remercie le Seigneur. Seigneur, il y a bien un but pour lequel tu permets cela, parce que par là, tu veux me tailler. Tu as vu des choses que moi, je ne vois pas très bien. Moi, je me vois sous un autre angle, mais toi, tu veux me voir sous l'angle que tu veux, parce qu'il y a un but. En lui, Dieu nous a élus. Et regardez bien, il est ici. Oui, il y a bien un but parce qu'on nous a dit qu'il est image du Dieu invisible. C'est pas vrai? Et il a dit que faisons donc l'homme à notre image et Dieu créa l'homme à son. Merci, mon frère et ma soeur. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire l'image de Dieu? Parce que quand vous vous mettez devant le miroir, j'aimerais que vous compreniez ces choses, c'est la Bible, non? Quand tu te mets devant le miroir, est-ce que tu te regardes et puis tu vois Frère Jonas? Non! Non, 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 pardonne-moi, Frère Jonas, parce qu'il est toujours ici devant. Hein? Quand tu te mets devant les miroirs, tu ne vois pas Jonas? Non, pas du tout. Qui est-ce que tu vois? Tu te reflètes toi-même. Donc, quand tu regardes, tu te vois toi-même, monsieur. On ne peut pas dire que Vladimir est l'image de Jonas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'on dit, mais il est l'image du Dieu invisible. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Faut pas dans tes frères rentrer dans la réalité donc. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Et plus clairement, il nous l'a dit aussi, c'est lui qui m'a vu. Amen. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh mon frère et ma soeur. Il ne peut pas dire mon grand ici, il ne peut pas dire, mais c'est lui qui m'a vu, a vu Jonas. Non. Est-ce qu'il peut dire cela? Oui, peut-être qu'il m'a vu, a vu ma femme. Non, non monsieur, c'est lui qui m'a vu, moi. Mais c'est vrai, non? Bien sûr. Lui, il dit, c'est lui qui m'a vu. Mais bien sûr, il a vu la paix. Amen. Eh oui. Est-ce que vous saisissez, frère? Vous me regardez. Mais c'est important que vous le compreniez. Vous devez savoir, ça a toujours été le désir de Dieu, de se refléter dans son... Et puis, vous savez, des lieux où on nous dit quoi, effectivement, encore pour que nous puissions saisir cela. D'abord, nous lisons Éphésiens, on arrive à dire. Éphésiens, il nous fait comprendre cela. Éphésiens, nous l'avons lu. Et puis, Éphésiens au chapitre 1, merci Seigneur. Il dit ceci, regardez bien. Il nous dit, nous l'avons dit, il dit, mais, oh oui. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Est-ce que vous comprenez? Si nous sommes là-dedans, qui peut arracher? Bon, nous continuons, gloire à Dieu. Il est en lui. Oh, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous entendez cela? Est-ce que vous suivez cela? Pourquoi? Pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. N'est-ce pas vrai? Maintenant, nous continuons encore. Il dit... Il nous a donc prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ah, 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 ah. Donc, votre attention pour le petit temps que nous avons. Il dit, en lui, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints. Il s'est écrit donc, et irréprochables devant lui. Est-ce que vous comprenez? Saint, irréprochable devant lui. C'est-à-dire comme Éphésiens au chapitre 5, et une épouse sans tache ni ride, irréprochable. Est-ce que vous comprenez? Sans tache ni ride, ni semblable, irréprochable.
Alors, qui peut être irréprochable? Mais dites-moi, qui peut être irréprochable? Moi, je ne peux pas. Malgré tous les efforts que je peux faire, malgré les prières que je peux faire, ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un qui soit irréprochable, qui soit sans tache ni ride. C'est important que vous le compreniez. Dieu seul, mon frère. Oui, madame. Oui, monsieur. Dieu est irréprochable. Alléluia. Oui, monsieur. Donc nous avons été élus. Oui, que Dieu te bénisse. Là, tu as saisi. Oh oui, sans échec. Nous avons été élus, mon frère, pour être saints. C'est ce qu'il dit, mon frère. Il est dit dans Romains, frère. Oh, que Dieu nous aide. Oui, d'abord, vous voyez, de lui, notre Seigneur, qu'est-ce qu'on dit de lui? Dans les Hébreux, puis on revient dans Romains, dans les Hébreux. Vous lisez la Bible, non? Qu'est-ce qu'il nous dit dans les Hébreux? Ah, il nous dit, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, pas. Tu es dans ces derniers temps. Tu nous as parlé. Ah, le Fils, qui effectivement? Le reflet, regardez très bien. Ah, oh oui, gloire à Dieu. Alléluia, que Dieu te bénisse. Oui, il dit verset 3, mais le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Gloire à Dieu. Ah, on a envie de sauter, mon frère. Oh, gloire à Dieu. Quel bonheur d'être dans sa maison, mon frère. On a envie de sauter, de crier. Oui, frère. C'est ça notre rachat. C'est ça notre délivrance. Oui, la parole nous libère, monsieur. La parole nous montre. Mais c'est vrai. Ah oui, 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 oui. Oh, frère. C'est là notre force. C'est là notre puissance. C'est là ce que... Mais oui, frère et sœur. De savoir effectivement ce que Dieu est, ce qu'il a fait et pourquoi toi tu es comme ça. Pourquoi tu ne fais pas comme tous les autres? Pourquoi? Et pourtant les possibilités t'ont données. Pourquoi tu ne suis pas la voix des autres? Ah, c'est un moment. Oh, vous vous souvenez les psaumes 73 et 73? Vous vous souvenez comment est-ce qu'il s'est terminé quand j'ai voulu un peu imiter aussi la voix des autres? Vous connaissez, non? J'ai fait un effort, mais ça ne peut pas marcher. Alléluia. Oui, vous comprenez cela? Oui, monsieur. Parce que tu as été taillé d'une manière différente. Dans une autre matière, mon frère, ma soeur, vous voulez le savoir, cette matière? Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous connaissez. Et c'est la même matière, monsieur. Vous voyez, dans le livre des Hébreux, regardez ce que nous dit ici le livre des Hébreux. Hébreux, je pense, il nous dit une chose, je pense que c'est cela. Je crois que c'est cela dans le livre des Hébreux, je pense que c'est cela, oui. C'est cela, oui. Ah, ah. Je pense que c'est cela, oui. Oh là là. Oui, c'est cela dans le livre des Hébreux, je pense que c'est vrai. C'est facile, il dit. Oui. Oui, c'est un et deux ou deux pierres, je suppose que c'est dans votre site. C'est possible. Attendez. Voilà, c'est dans deux pierres, chapitre. 1 Pierre chapitre 2, c'est là, je pense que c'était bon. Chapitre 2, regardez. Dans 1 Pierre chapitre 2, regardez bien. Le verset 3, il nous dit. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon,
Qu'est-ce qu'on fait? Approchez-vous de lui. Ah, il est lui. Il est lui une pierre vivante. Rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Comme quoi? Ah, ah, lui étant la pierre vivante, et nous-mêmes aussi de pierre vivante. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il est la pierre angulaire. Est-ce que vous comprenez? Sous lequel le fondement de l'édifice est monté. Donc cet édifice doit être de la même manière. Est-ce que vous comprenez? Lui étant la pierre, et nous sommes aussi la pierre, la même matière. Oui, si vous pouvez le lire par la suite, effectivement, la même matière. Donc, vous n'êtes pas attiré de autre chose par rapport aux autres, effectivement, vous êtes taillé différemment. C'est pourquoi vos goûts et vos aspirations sont tout à fait différentes. Mais bien sûr que c'est la vérité, monsieur. C'est 100% vrai. Les Égyptiens, les Israéliens ne mangeaient pas comme les Égyptiens. Franchement. Alléluia. Vous voyez pourquoi Daniel, lui, il n'a pas voulu manger le mets de la table du roi. Pourquoi tu es comme ça? Il dit non, il n'y a pas de moi, ça met les légumes. Les légumes, les légumes. Et il était en plus bonne santé que les autres. Est-ce que vous comprenez? Frères et sœurs, il n'y a pas de... Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bédial et toutes ces choses-là? Vous comprenez? On ne force pas, mais en fait, c'est parce que notre nature, elle est tout à fait différente. On ne l'a pas fabriquée, mais elle est toujours comme ça. Un aigle ne peut pas changer sa nature. L'aigle reste l'aigle. C'est parce qu'il est aigle qu'il se comporte. Pour ça, vous ne devez jamais vous comparer par rapport aux autres. Ce n'est pas de la même matière, mon frère. Un élu n'est pas comme les appelés. Non, monsieur. L'élu est taillé différemment. Est-ce que vous suivez? Amen. L'élu est taillé différemment. Parce qu'il est de la même matière. Oui. C'est pour ça qu'il y a une très grande différence dans la manière dont Dieu traite les élus par rapport à tous ceux qui sont dans différentes religions. C'est exigeant. Très exigeant. Quand on vous dit, je me lasse, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas. Donc lui, il te tient, tu ne peux pas te lasser de lui. Il y a quelque chose au-dedans de toi qui soupire toujours à vouloir être comme lui, il veut. Même dans les difficultés, même si les choses sont tellement difficiles, je le veux. Pourquoi vous le voulez? Amen. Et que je te demande que cette coupe soit éloignée, mais c'est pour ça que je suis venu. Vous vous souvenez, non? La coupe. Il ne pouvait pas refuser de la boire. C'était en lui que cette coupe, il devait la boire. Qu'il était différent. Que son nom soit béni. Il était le Messie. Il était le Rédempteur. Celui qui devait payer le prix pour toi et pour moi. C'est pour ça que vous et moi, mon frère et ma soeur, les gens des églises ne peuvent pas comprendre. Et puis vous n'aimez pas le copier. Mais ils sont vrais. Mais ils font comme ça. Ça marche effectivement. Vous n'êtes pas de la même manière. Pas de la même matière. Pas la même chose. En lui, Dieu nous a. Amen. Il faut que vous compreniez, effectivement, quand on dit en lui, ce n'est pas à l'extérieur. Non. Donc, si c'est en lui, donc nous faisons partie de lui. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien sûr, c'est que ce qui est lui, c'est ce que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir marcher comme il a marché. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Aimer comme il a aimé. Amen, amen. Ah oui. Aimer comme il a aimé. C'est cela qui montre que Christ est en toi. Amen. C'est ce que la Bible dit. Je peux avoir le don de miracle, tout ça, effectivement, mais si je n'ai pas. C'est ça. Ah, ah. Amen, amen.
Si je ne l'ai pas, je peux être, que Dieu te bénisse. Donc, cet amour-là, donc, c'est le superlatif, donc. Si je n'ai pas cela, je ne suis qu'un rat qui retentit, une cymbale qui résonne. Si vous comprenez, je ne sers à rien. Je peux épater le monde par beaucoup de choses, effectivement, mais après, il dit, je ne te connais pas. Parce que ne peut rentrer de l'autre côté. Ce n'est pas le miracle qui rentre. Non. Ah, non. Non, 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 non. Oh, les parents, blablabla, ça ne va pas rentrer, ça. Non, 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 monsieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est que l'amour. Amen. Parce que Dieu est... Amen. Voilà, monsieur. Que Dieu te bénisse, mon béni. Mon frère et ma soeur, ne méprisez pas les choses de Dieu. Ne soyez pas là en train de me regarder comme c'est la coutume ou les habitudes. Vous perdez votre temps. Dieu nous prépare, mon frère. L'âme ici, ce n'est plus pareil. Les goûts changent. La façon de regarder change. De faire les choses change. L'âme est en train de pouvoir maintenant monter pour atteindre sa dimension. Ah, n'est-ce pas qu'il était qui, effectivement, qu'en un clin d'œil? N'est-ce pas vrai? De la même manière que nous avons revêtu, ma soeur, elle te reste ici. C'est pas vrai. Nous revêtirons le céleste et le Seigneur de gloire. Bien sûr, mon frère. Cela est vrai. Tous ceux qui nous ont précédés ont la foi dans cela. Et c'est sûr et certain. Alors, nous disons encore, nous répétons que lui, Dieu nous a. Nous n'avons pas oublié, mais il est l'image du Dieu. Le premier-né de toutes. Ah, c'est dont vous et moi, nous faisons partie. De la même manière que Christ est venu dans ce monde, c'est aussi la même manière que Dieu a fait de toi et moi. Parce que nous avons été engendrés. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Engendrés. Cela a été utilisé pour. Donc nous sommes donc les attributs de Dieu, c'est-à-dire l'expression de Dieu dans ce monde. Comment n'est pas Dieu? Vous connaissez cela, non? Vous savez, mon petit fils sur le monde. Oui, c'est vrai, vous direz, mais... Et il était assis, et lui, ça, vous savez, quand il est un peu comme ça, et sa maman filme un tout petit peu les audios. Et il chante. Moi, ne pas te louer. J'ai dit, Solomon chante, oui. J'ai dit, comment ne pas te louer? J'ai dit, oh Dieu du ciel. Donc, il comprend effectivement ce que ça veut dire. Comment ne pas te louer? Oh Seigneur. J'ai dit, Dieu soit béni. Ah, Dieu est bon. Amen. Comment ne pas le remercier? Quand toi et moi, nous pouvons réaliser et comprendre effectivement ce que... Vous savez, frère, ce qui vous tue, c'est parce que vous marchez avec la religion. Le Seigneur n'est jamais venu nous apporter la religion, la formalité que nous avons, ainsi, ainsi, ainsi. Non, nous ne venons pas ici comme copiant les églises. Vous perdez votre temps ici, frères et sœurs, que nous venons pour nous asseoir, pour écouter. Je ne suis pas votre discoureur. Non. Chacun de vous, frères et sœurs, ne venez pas simplement dire, bon, ben, je vais à l'église. Non, vous devez prendre part. Quand tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais lorsque je viens dans ta maison à toi? Je ne suis pas venu là seulement pour m'asseoir et puis voir les défauts et puis sortir les plaintes. Non. Qu'est-ce que j'y apporte, Seigneur? Je veux aussi apporter quelque chose. Les jours de Pentecôte, quand la parole de Dieu a été prêchée, le cœur étant changé, ils ne sont pas restés insensibles comme ça. Chacun dit, qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Qu'est-ce que je fais? Ça, ceci doit être ainsi. Dans les églises, là, on sait que oui, les gens vont là-bas, ils vont passer, mais toi, non. On ne vient pas ici comme ça, non. Je viens parce que je vais prendre part. Qu'est-ce que tu apportes, ma soeur? Qu'est-ce que tu apportes, mon frère? C'est nécessaire. Tu attends toujours que Dieu fasse pour toi. Il a toujours fait. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu n'as que 30 minutes ou 40 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais vraiment pour Dieu?
Chanter, tu ne fais que répéter la chanson. Mais est-ce que vraiment chanter, vous savez ce que ça veut dire? Mais c'est adorer. C'est glorifié. Oui, je peux être malade, mais j'oublie ma maladie, j'oublie tout ça. Et je réalise, Seigneur, que tu es le Dieu qui... Même si j'ai toujours les bobos, je dis, tu me guéris. Même quand tout va mal, j'ai dit, tout va bien. C'est vrai. Vous connaissez la tsunami? Les temps passent vite. Vous connaissez la tsunami? Ah, nous avons des sœurs que nous aimons. Si c'était l'un d'entre nous, ce serait, on aurait trouvé les sables sur la tête déjà. Et s'est enroulé comme ça, on ne s'est même pas approché pour lui parler. Parce que, oui, ça, nous sommes des humains. C'est là, c'est quand même exceptionnel. Oui, ma bien-aimée, moi, c'est quand même exceptionnel. Son enfant qui... dont il l'a attendu, parce que c'était ce que le prophète avait dit. Et voilà que l'enfant s'est en allé. Et sans crier, sans les larmes, tout ça, elle scelle son âne avec ses serviteurs. Et son mari, qui la connaissait bien, que c'était une femme vraiment qui aime Dieu, qui écoute la parole, qui s'accroche vraiment à la parole. Parce que oui, c'est vrai, c'est elle qui avait demandé qu'on puisse construire la terre. Il la regarde, il dit, oh. Je sais que ma femme, elle se donne à Dieu et que quand c'est la pluie, il doit aller là-bas en plein bonté pour aller voir les prophètes. Mais maintenant, quand même, ce n'est pas la période. Qu'est-ce qui se passe, madame? Et la femme dit, est-ce que ça va? La femme dit, oui, tout va bien. Tout va bien, mais son enfant, pas de souffle, mort, allongé, là dans la pièce. On ne voit même pas sous le visage les grimaces, effectivement. Non, non, le mari dit, tout va très bien. Mais où tout va bien, tu vas oublier, je vais prendre les potes. Il y a un problème, il dit non. Tout va très bien. Non, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, c'est comme cela que doit être notre foi. Dans les difficultés, dans les situations où nous sommes, c'est la foi qui nous maintient aussi. Parce que tu peux faire confiance en toi-même, qui tu es. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux changer en pleurant, en te plaignant? Rien du tout. Mais par contre, quand tu as la foi, celui qui a la foi, c'est grâce à cela que nous sommes devenus ce que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en cet moment, nous avons pris courage, nous avons eu la foi, nous sommes relevés, c'est pour ça que nous sommes debout jusqu'à aujourd'hui. Sinon, nous serions morts depuis longtemps. Vous connaissez les ennemis de vos âmes. Combien on vous a cherché à vous tuer, tout ça. Mais vous n'avez pas regardé cela. Vous avez regardé à celui qui peut vous faire sortir. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes des témoins. Nous sommes témoins de ce qu'il est. Est-ce que vous comprenez? Dans les épreuves, nous avons... Chacun de nous ici est passé par les épreuves. Nous avons senti que c'était, on était tellement bas, mais Dieu est venu pour nous faire sortir. S'il a fait ça, c'est parce qu'il savait que dans les jours à venir, il y aura. Mais que tu n'oublies pas ce qu'il a fait. Ça sera un point d'ancrage pour toi. Quand j'étais dans le bas, hein, il est venu, il m'a fait sortir. Je suis sûr, sortir qu'aujourd'hui encore, il ne m'a jamais abandonné, il me fera sortir. Tu deviens aussi un appui pour ton frère, pour ta soeur qui, tu vois, qui n'a pas encore dit, il est en train de voir pleurer, il dit, ah, ma soeur, prends courage, Dieu est vivant. C'est même Dieu qui, tu as passé, je suis passé là aussi. J'ai pris courage, je l'ai regardé, je lui ai imploré la grâce. Il m'a fait sortir. Il fera la même chose pour toi aussi. Les paroles d'encouragement. Nous sommes appelés à être cela. Pas des critiqueurs de frères, des critiqueurs de sœurs. Oh, il est comme ça parce qu'il a péché. Tout le monde pêche. Je suis un pécheur aussi. Sauvé par la grâce de Dieu. Et toi, tu ne pêches jamais? Si mon frère est tombé, je ne vais quand même pas mettre la pierre au-dessus de lui. Oh, c'est parce qu'il a manqué. Oui, mais ça peut arriver. Mais ce qui lui est arrivé peut aussi t'arriver. Il y en a de ceux-là qui pensent, non, non, nous sommes des saints. Oh, moi, j'implore la grâce de Dieu tous les jours. Seigneur, et puis aide-moi, mon sauveur. Parce que si cela monte dans mon cœur, le trou sera grand devant. Parce que l'orgueil précède, c'est sûr et certain. Le trou qui est creusé devant toi, tu tomberas. Parce que tu ne regardes pas bien, tu te crois que tu es arrivé. Non, monsieur, toujours, Seigneur, aide-moi et conduis-moi pour que je marche avec. Vérifie, Seigneur, aide-moi que mes pas pointent là où tu veux que je pointe. C'est toujours dans cette humilité qu'il faut comprendre. Donc, nous comprenons que nous sommes
soutien et les aides pour chacun de nous. C'est pour ça que Dieu a fait de nous ce que nous sommes. Nous allons revenir vite, effectivement, dans lui, évidemment, avec l'image. On va terminer. Ne pas oublier si nous sommes fils de Dieu. C'est à vous, à moi, à moi, à moi, à moi. Là, ça veut dire que tu n'es pas encore mort. Puisque tu vis, toi, Christ ne peut pas vivre en toi. Or, si tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu es né de Dieu. Si tu es né de Dieu, ça veut dire que tu as les sens de voir de Dieu. Pense pour le bien avant de penser pour ton. Est-ce que tu le fais vraiment? C'est vrai, frère. Quand nous sommes comme ça, ce n'est pas une histoire. Tu ne penses pas d'abord à ton bien, tu souffres pour le bien de l'autre. C'est 100% vrai. Oui. Mais toi, qu'est-ce qui se passe toujours? Moi d'abord. Les autres ensuite. Non. Les autres d'abord. Et moi ensuite. Ah. Ça, pour pouvoir arriver à le faire. Nous sommes simplement des gens qui copions des choses qu'on dit, bon, il faut faire ceci, parce qu'on sent qu'on le fait, mais en fait, on n'arrive pas à pouvoir le faire comme il faut, parce qu'on fabrique quelque chose. Quand on dit, vivons pour Dieu, oh, il faut vivre pour Dieu, effectivement, tu fais un effort. Mais quand il y a un problème, on dit, ah, il m'a fait, ah, il m'a dit, ah, oui, c'est. Donc, vous ne voyez que vous d'abord. La première réaction, c'est moi d'abord. Jamais lui d'abord. Toujours, la Bible dit, compatissant. Il nous a dit, ma soeur bébé, que Dieu te bénisse. Il nous a dit qu'à cause du grand amour, Dieu nous a aimés. Est-ce que tu lui as donné quelque chose? Rien. Vous avez dit que nous sommes sauvés par grâce. Donc, en fait, c'est ça que nous comprenons. Hein? Or, la vie éternelle, c'est que laisse-toi les seuls vrais Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Donc, celui qui est éternel, c'est Dieu. Donc, quand un homme a la vie éternelle, il doit agir comme Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand toi et moi, nous étions dans le péché, Dieu n'a pas attendu que toi, tu fasses les biens pour lui. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas regardé à lui, il a regardé à toi. Toi d'abord. C'est pour ça qu'il n'a pas regardé à la gloire que les gens pouvaient dire, oh, le glorieux, les alakans. Non, il n'a pas regardé à cela. Il est devenu un homme. Parce qu'il ne voyait pas autre chose que toi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Parce que si Dieu se regardait lui, il ne pourrait jamais descendre dans la saleté. Elle est simplement détruire et récréer. Mais parce qu'il t'a regardé. Quand il te regardait, il ne se regardait pas lui-même. Non, frère, nous avons... S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne soyons pas des gens qui simplement la bouche, mais il faut que le cœur y soit. Être sincère envers Dieu est une chose de Dieu, mon frère et ma sœur. C'est-à-dire être vrai. Vous connaissez cela, ton petit Didi? Dieu, je voulais dire, et puis nous allons terminer. Vous allez reprendre effectivement dans en lui, nous dire, nous a élu effectivement. Et Éphésiens au chapitre 2. Alors il dit, quand je dis cela, j'aime beaucoup, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, que tu es tellement si bon. Verset 1, Éphésiens 2, verset 1 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi. Vous suivez? Nous étions de leur nombre. Sans exception. Hein? Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les... Voilà. Ah, je suis les saints. Moi, je suis les ceci. Tu es les saints depuis quand? Parce qu'on nous dit ici que nous étions tous les enfants de la colère comme... les autres. Qu'est-ce que tu as fait pour être saint?
S'il vous plaît, il ne faut pas qu'on se donne trop d'importance soi-même en se prenant trop haut, plus haut. Non, ta sœur qui... Vous savez, c'était hier, parce que bon, j'ai devais écrire une petite brochure qui... Et en rapport avec la question du frère, qui était tellement aussi importante, pour pouvoir aussi les renvoyer, j'ai essayé de pouvoir, qu'on dit, voilà, terminer. Par la grâce du Seigneur, pendant que j'écrivais, je suis arrivé à un point où j'ai dit, parce que ça a été en rapport avec cela aussi, j'ai dit, Seigneur, c'est quand même extraordinaire. Vous savez pour quelle raison le Seigneur a eu à pouvoir enseigner en rapport avec le lavage de pieds, parce qu'on l'appelle lavage et puis lavement des pieds, lavage de pieds. Est-ce que vous savez pourquoi il était donc important qu'on fasse ce qu'on appelle le lavage des pieds? Nous le lisons, effectivement, mais je ne sais pas. Vous n'avez pas remarqué, frère et soeur, que je ne vais pas rentrer là-dedans, je saute vite, je reviens dans ce que nous étions en train de dire ici. Nous étions tout de dire. C'est cela, oui, que c'est ça, oui. Ah ben, lorsque, regardez très bien, le Seigneur a quitté la table, vous suivez? Il s'est saigné hein, dans le linge, oui, c'est cela. Il ôta et puis il s'est saigné dans le linge, il s'est saigné dans le linge. Il prit de l'eau, il versa dans le bassin. Je surveille les heures pour vous, puis peut-être on termine, puis on va prier, vous allez rentrer vite. Regardez, il versa de l'eau dans le bassin. Les disciples, c'était un moment inattendu, c'était pas... Il s'est posé la question, mais qu'est-ce que le maître va faire? Ils étaient assis à table en train de manger normalement. Et puis, soudain, il s'élève de la table. Je l'aime beaucoup, il est spécial. Vous savez, on ne peut pas le prévoir. Je ne veux pas dire, bon, il va faire comme ça. Non, 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 non. Il est Dieu, il est imprévisible. Nous l'aimons dans sa façon de faire. Ah, mais il est tellement d'une nature merveilleuse. C'est, vous savez, rien que par son regard, ça fait la crainte. Hein, ça, fait la, ça vous fait autre chose. Oui. Alors, il s'est saigné dans l'âge. Il versa de l'eau dans le bassin. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et puis, il met le bassin là. Maintenant, là, c'était le moment, en tout cas, le summum auquel on ne pouvait jamais s'y attendre. Il appelle maintenant ses disciples. Pourquoi? Pour quelle raison? Il dit, venez, je vais vous laver les pieds. Pierre dit, non, 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 non. Pierre a dit, non, jamais. Toi, vraiment. C'est écrit. Oui. Il dit, toi, non, non, jamais, jamais, toi, me laver les pieds. Pourquoi? Parce qu'il savait ce que cela signifiait. Il dit, jamais, toi, c'est écrit comme ça. Il dit, non, jamais, Seigneur, pas toi. Moi, oui, mais jamais toi. Frère, ça. Ah, vous savez, il y a des moments où vous avez envie de pleurer, vous en dites, Seigneur, non, nous avons un sauveur. Et quand je vous vois jouer les prétentieux, les ceci et les cela, je vous regarde simplement, je dis, Seigneur, il est malheureux parce qu'il va aller directement en enfer sans s'y rendre compte. Qu'est-ce que le monde va vous apporter? Qu'est-ce que vous gagnez? Prétentieux pour des choses inutiles. Ta personnalité, elle sert à quoi? Toi-même, tu sers à quoi? Tu te donnes l'importance pour l'espace que tu as, moi. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de nous. Ah, c'est une grâce. Vous savez, quand vous êtes là et que Dieu vous ouvre les yeux, vous commencez à pleurer vous-même et dire, Seigneur, à ce moment, on se croit qu'on est quelqu'un, Seigneur. On a tellement des choses. Il dit, mon Dieu, aie pitié. Accorde-nous la grâce de pouvoir réaliser effectivement ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Nous avons besoin de ces sauveurs et de ces dieux pour que son frère, quand ma soeur, quand vraiment Christ est en toi, sans l'ombre d'un doute, ça ne trompe pas. Oui, 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 oui. Oui, en fait, vous dégagez un parfum que quand vous passez, les gens disent, il est passé ici.
Si ça ne trompe pas. Parce que si il a fait ce qu'il a fait pour nous, et de nous ce que il attend de nous, mon frère et ma soeur, que soyons comme lui a voulu que nous soyons. Alors, on nous dit, il est l'image du Dieu invisible. Celui qui m'a vu a vu. Alors, il dit, en lui, Dieu nous a élus. Nous étions donc en lui. Est-ce que vous suivez? Amen. Bon, alors, il dit que pour que nous soyons sans irréprochable, sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Nous l'avons vu, effectivement, que oui, c'est bon, mon frère va veiller sur ça aussi. Nous avons vu aussi qu'irréprochable, un homme ne peut pas l'être. Il n'y a que Dieu seul. Et maintenant, regardez ce que Dieu nous dit, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. N'est-ce pas vrai? Maintenant, dans Romains, au chapitre 8, regardez ce que l'Écriture nous dit. Romains, chapitre 8. Et le verset, nous lisons à partir de verset 28. Romains 8, verset 28. Vous y êtes? Alors regardez très bien. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez compris? De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, appelés selon le dessein de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que si Dieu vous a choisi, c'est qu'il y a un plan. Maintenant, lisons donc la suite. La suite nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Alors là, quel privilège? On nous dit bien, ceux qu'il a connus d'avance. Ça veut dire que avant même que quoi que ce soit ne puisse être, Dieu t'avait connu. Avant même qu'à un certain moment, quand tu marchais dans le monde là, et que tu entends quelque part où on chante, tu dis, bon, oh, qu'est-ce qu'à quoi ça sert ces chansons, je vais quand même aller. Avant même ces temps-là. Oh, frères et sœurs, toi, tu marchais croyant que tu étais comme tous les autres. Non, monsieur, le yeux de Dieu était sur toi. Parce qu'il t'avait connu d'avance. C'est même cela qui t'a poussé à pouvoir vouloir entendre. Voyez la différence qu'il y a, oh, le temps tellement toujours court, frère et soeur. La différence qu'il y a, qui s'est passée entre toi, mon frère, et la personne qui était assise sur le même banc que toi. Parce que toi, être converti, c'était pas un jeu, en fait. Croire et entendre la parole. Parce que lui, il était dans ses entrées de rire. Ah, mais tout dit, là, qu'est-ce qui se passe, effectivement? Ouh! Tu entendais maintenant quand il dit, tu entendais la voix qui appelait ton nom. Bien sûr. Les choses étaient différentes. C'est-à-dire que ta façon à toi de pouvoir réellement entendre les choses était très différente. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand tu entendais, tu dis, mais ça correspond à quelque chose dans l'intérieur. Tu ne sais pas expliquer cela. Alors, ce qu'il a connu d'avance, il dit ici, hein, car ce qu'il dit d'avance comme ça, il les a aussi prédestinés à quoi? Prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de... Donc toi et moi, nous sommes prédestinés à être réellement semblables à l'image du Fils. Est-ce que vous suivez? Quand mon grand se met devant le miroir, il regarde le miroir. Est-ce qu'il voit sa femme? Non. Est-ce qu'il voit Daniel? Non. Est-ce qu'il voit David? Non. Qui est-ce qu'il voit? Ah ben, c'est son image qui se reflète. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et nous avons été prédestinés. Amen.
Ça veut dire que ça ne peut pas échouer. Non, non, on peut tout faire. Non, messieurs, on peut tout faire, même t'enfermer dans une cave. Oui, monsieur. Même t'enfermer quelque part. On peut tout faire. Ça ne peut pas échouer. Amen. Tu es censé devenir quoi? C'est pour ça que tu n'as pas imité. Non, non, monsieur. Tu es censé devenir quoi et qui? C'est écrit. Quand on parle de son image, mais il est l'image du Dieu invisible. Maintenant, vous pouvez comprendre, effectivement, quand la Bible dit l'expression, donc, la femme, donc, les, parce que quand on a parlé de la femme, effectivement, on s'est référé à Adam. Oui, ma soeur, que Dieu te bénisse. Vous voyez les habitudes, hein? Regardez très bien. Parce que Adam a dit, voici celle qui est. Et quoi encore? Voilà. Donc, Ève était 100%. Bien sûr, monsieur. Et où était Ève, effectivement? Merci. Vous voyez pourquoi l'évangile est très exigeant pour les élus. C'est pour ça que quand toi tu n'es pas élu, tu vas toujours te plaindre, murmurer. Oh, il est dur. Oh, ça dure longtemps. Oh, je n'en peux plus. Et c'est normal, tu n'en peux plus, effectivement, parce que tu es comme le corbeau ou comme le vautour. Ah ben bien sûr, parce que il y a un niveau que le vautour ne peut pas atteindre. Il va commencer à être aimé. Quand l'aigle regarde, oh, mais pourquoi tu es fatigué? Lui, il dit, j'y encore, avec mes ailes, je bats les ailes, je monte plus haut. Il dit, ah, je n'en peux plus, moi, je dois retourner. Tu vas retourner où? On monte plus haut. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Toi en tant qu'enfant de Dieu, je termine. Toi en tant qu'enfant de Dieu, frère et sœur, avec les années, ton zèle ne peut pas diminuer. Ton amour pour Dieu ne peut pas diminuer. Plus les années avancent, plus l'amour augmente. Parce que tu vas de plus en plus haut, monsieur. Tu augmentes. Voilà pourquoi il est rétrograde, parce qu'il ne peut pas suivre. Toi, tu dois suivre, tu montes. Il devient tellement si beau parce qu'il commence à se révéler encore davantage à toi. L'amour de Dieu, l'amour de l'évangile augmente de plus en plus. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que comme tu chantais la latin, on te voit chanter encore aujourd'hui avec les mêmes ailes, même s'il y avait des souffrances et encore plus encore aujourd'hui. Parce que de plus en plus, il ouvre davantage. On ne peut pas se lasser de lui. Mais de plus en plus... Oui, je suis heureux, frère. Ah, oui, frère et soeur, je pense que nous devons tous être heureux. Parce que nous sentons l'odeur de sa venue, en fait. Parce que ça se passe à l'intérieur. Nous sentons que nous ne sommes plus. C'est pas possible que je sois plus bas qu'hier encore. Non, aujourd'hui, je ne suis plus ce que j'étais hier. Parce que vous savez pour quelle raison? Parce que nous tendons à la perfection. Voilà pourquoi l'amour augmente. Parce que je tends maintenant vers le perfection. C'est-à-dire que vers ce que Dieu attend de moi, que je sois comme il est. Je veux être comme Jésus. Ah, vous le chantez, non? Tout au long du voyage de ma vie, de la terre et à la gloire, je demande seulement à être. Lève-nous, notre Père.